qu'un stylo peut tenir 3 km avec son encre, eh ben, il en a fait du chemin. Il en a fait, et il est loin d'avoir fini sa route. Je pensais avoir fini la peau de Marilyn aujourd'hui. Mais vous allez le voir, 1m10, c'est quand même très long. Je parais tout petit à côté de mon dessin, ça vous l'avez déjà vu. Et là, il en a gratté du papier. Ah ça, il l'a gratté. La peau, c'est hyper super long. C'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Je suis toujours en train de poser les valeurs, c'est-à-dire les zones plus ou moins claires et sombres du dessin, avant d'aller les contraster. Parce que je veux être sûr d'avoir la même teinte sur tout le personnage. Donc là, je gratte du papier, je gratte le plus délicatement possible. Les trois quarts des traits, j'ai même l'impression qu'ils touchent pas la feuille. Mais je vais pas me mentir, ça reste quand même supra satisfaisant de voir apparaître un dessin d'une grande taille pareille. J'aurais jamais cru que le collier me ferait autant galérer. Mais avant de pouvoir me débarrasser du collier, il a fallu finir les valeurs de la peau de Marilyn. Et elle porte un boa sur les épaules. Et ça, bah c'est des petites plumes, et puis c'est des traits très délicats qu'il faut faire. Mais là, de la délicatesse, il a fallu que j'en use, et que je fasse encore tout un tas de séries de traits. Des traits, des traits, et des traits. Très 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 fins. Car avant de pouvoir contraster la peau de Marilyn, il faut que j'aplanisse et que j'harmonise tous les coups de stylo que j'ai mis jusque là. Histoire de faire quelque chose de bien plat. Je gomme la délimitation grossière du boa et je reprends mes petites plumes, des traits dans tous les sens pour harmoniser et faire la zone de l'épaule que j'avais pas encore commencé avant d'attaquer le collier. Et faire le contour de toutes ces lettres, mais qu'est-ce que c'est fastidieux. Et en plus, pour plus de réalisme, j'ai pas pu me contenter de juste un aplat, il a fallu que je fasse un dégradé. J'en aurais passé des heures à réaliser ce dessin. Tout comme j'aurais fait des milliers, voire des millions de petits traits pour compléter la totalité de ce portrait. Et je vais partager avec vous les derniers moments, les derniers traits et tous les petits détails pour rendre ce tableau encore plus magnifique. Du moins, je l'espère. Alors je vais venir renforcer quelques ombres. Je vais venir rajouter quelques traits qui manquaient par-ci par-là. Mettre un petit peu plus de contraste sur certains éléments du tableau, amplifier l'ombre et la lumière. Bref, j'ai cherché à mélanger deux personnalités qui sont plus ou moins similaires. Alors merci à tous d'avoir partagé avec moi cette aventure, mon plus grand tableau réalisé au stylo. Et là, je suis en train de réaliser ce dont je suis le plus fier. La petite ombre qui va faire la déchirure du papier qui laisse transparaître Jessica Rabbit.